Oui, nous jouons pour le compte la sixième journée samedi prochain. Et ce qu'on peut retenir, c'est que nous ne sommes pas bien lotis. Nous avons 5 points sur les 15 possibles, ce qui devrait logiquement décourager certains. Mais je voudrais inviter les uns et les autres à être plus tempérants et à comprendre. Nous avons une équipe de jeunes et ce qui est plaisant et ce qui me réconforte à l'heure actuelle est que cette équipe produit déjà du jeu et j'ai confiance en elle et je sais que les bonnes choses arriveront bientôt. Et on a perdu contre la Concorde en match du championnat, 0 but contre 1 et contre Luxa par le même score en Super Coupe. Et naturellement, lorsque les choses se passent ainsi, les langues se délient. Et les gens y vont de leurs propres commentaires. Et les gens y vont même de leurs propres propositions. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je suis un entraîneur chevronné. Moi, après avoir passé 4 années sur le banc de touche de l'Institut national de la jeunesse et sport pour sortir professeur certifié d'éducation physique, après avoir passé 21 ans sur les bancs de touche comme entraîneur, et après avoir passé plus de 50 stages d'entraîneur, dont plus de 2000 modules, moi je suis convaincu de ce que je fais. Et je dis toujours, il est vrai, j'accepte les conseils, je suis réceptif aux suggestions, mais moi j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé qu'il vaut mieux mourir avec mes idées que de vivre avec les idées des autres. Je pense que cette équipe ira très loin et Inch'Allah, l'avenir est reluisant.